Bonjour à tous, bienvenue ici au sein de Soleil Niçois où plein de projets en fait sont en émulation actuellement grâce à nos sponsors, grâce à toutes les équipes, les associations, les agents, d'une émulation quasiment hors du commun, hors du temps. On vous promet ici plein de belles choses. Un petit clin d'œil à Pascaline Le Pelletier qui j'espère remportera le titre du meilleur sommet du monde car toutes les associations ainsi que l'Union de la sommellerie française est derrière elle du 7 au 12 février. Petit mot également, donc on a pu profiter ici de la mise en avant d'un sommelier, un super copain à moi, Xavier Tuisa, qu'on retrouve, chef sommelier au crayon, qui a maintenu également ses deux titres magnifiques, meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France la même année. Quelque chose qui ne s'est produit que 4 fois. Xavier a toutes les valeurs et toutes les qualités qu'on lui souhaite pour pouvoir aller plus loin encore et surtout mettre en avant la jeunesse et mettre en avant notre métier. Merci à toi Xavier. Donc maintenant, on va parler de Château Malherbe, une magnifique organisation, un bus qui a pu nous emmener directement de Monaco à Bormes-les-Mimosas. On a pu profiter sur un esprit de soleil farniente comme on les aime sur la Méditerranée, une dégustation de vin réalisée et orchestrée de maître par le domaine. On a pu déguster la pointe du diable, les vins du domaine et également la vision qu'avait actuellement le vigneron et qu'il souhaite mettre en avant véritablement l'intégralité des terroirs que l'on retrouve. On espère pouvoir vous retrouver nombreux pour les prochaines sorties tri-associatives de la Méditerranée. Un magnifique voyage en Bourgogne organisé de main de maître par Olivier Mercier, donc notre responsable de l'organisation. On a pu déguster des magnifiques vins, profiter aussi bien de petits propriétaires de grande renommée avec les conseils de la maison de Vilaine, préconisation également d'Olivier Leflève sur son marché de négoce vraiment indiscutable et sur lequel on a pu s'enrichir et vraiment prendre en valeur et en connaissance. Notre métier surtout, avant de vendre une bouteille de vin, c'est de vendre la personne qui le réalise et le terroir qui permet de le voir naître. Dominique, quelque chose qui m'a été offert de ta part, qui m'a énormément touché, vraiment au plus profond de moi, parce que je ne m'y attendais pas, c'est lors de ton gala, avoir la chance de pouvoir être honoré du titre de membre d'honneur de l'Association des Sommets Monégasques, remis par sa Seigneurie Altesse Sérénissime Prince Albert II. Vraiment quelque chose qui m'a énormément ému, notamment les mots qu'ont eu Patrick Franck qui ont résonné en moi. Tu n'aurais vraiment pas pu, en tant qu'ami, me faire plus plaisir que ça, et pour ça, je t'en remercie. À toi Philippe, donc vraiment un plaisir de t'avoir rencontré maintenant de manière beaucoup plus proche, maintenant que je suis sur Paris, voir un petit peu la vision, toutes tes occupations, toute l'envie que tu montres tous les jours pour mettre en avant la sommellerie française au sein du mondial, grâce à l'organisation de ce concours du meilleur sommelier du monde. Je pense qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un de plus honnête et plus travailleur que toi pour faire ce travail qui est vraiment... je le dis encore, magnifique. Tu cherches tout le temps à avancer, à améliorer et tu es toujours d'une exigence qui est remarquable car c'est grâce à toi que va briller la sommellerie française aujourd'hui. On se retrouve le 7 février jusqu'au 12 février à la victoire, bien entendu, parce qu'il y a une Pelletier.